Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor et bien sûr présentation de règles. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que donne le challenge ACW Epic Battle. Comme vous le savez, j'ai lancé il y a presque un mois maintenant un challenge pour qu'on se motive tous ensemble à peindre des figurines. Donc bien sûr, ces figurines sont celles du starter ACW Epic Battle. Alors après, moi je vais y rajouter les Iron Brigade, mais parce que je suis un grand malade, tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Donc, on va commencer par notre général Cartman, qui nous a présenté énormément, mais énormément de photos, et franchement, c'est un travail qui est super top. Donc là, on peut voir sa partie sudiste, donc avec les décors peints, donc là on voit qu'il a fait un petit peu de travail de scénette pour le général, ce que je trouve super bien, donc vraiment un top niveau. On a des figurines qui sont peut-être un tout petit peu sombres, mais c'est peut-être à cause de la lumière, donc à voir, mais en tout cas c'est très joli. Donc là on a la vue de dessus, donc là on a deux régiments plus un canon plus un général avec scénette, donc qui pourra servir de général en chef de son armée, ce qui est pas mal. Là, on a trois régiments. Alors, c'est pareil. Par contre, lui, les amis en barrette de 3. Donc, ça veut dire que ça fait 60 figurines à peu près. On a pareil pour les unionistes. Donc là, on a quand même, pareil, une belle couleur. Donc, c'est propre. Franchement, beau boulot hein, de sa part. Là, il nous a fait une petite scénelle avec le canon. Je trouve ça sympa. C'est quand même top, les barbus. Là, on a une petite bataille entre sudistes et nordistes avec quelques bouts des décors du starter. Là, on a toute la Smala avec tous les starters. Donc, franchement, c'est un super boulot. Bravo à toi, Cartman. C'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Et effectivement, par 3, c'est vrai que ce sera peut-être plus simple à bouger. Donc là, maintenant, on va voir le général Garrett, qui est un bon compère à moi, qui, lui, a posté peu de photos pour l'instant. Il a bien bossé parce qu'il a fait deux brigades, donc 400 figues, je crois. Donc là, on voit sa préparation. Donc, il met tout sur les petits bouchons. Tout, 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 et puis, il peint les barrettes, ce qui est pas mal. C'est vraiment... moi, je le fais pas. Je le fais souvent sur des toutes petites barres de glace, vous savez. Des touillettes, en fait, pour le café. Et puis, je peins comme ça. Mais sinon, je les peins à la main parce que je suis une brute, moi, vous savez. Donc là, voilà, il a trois régiments. Il nous montre. Il en a fait plus. Hein. Je sais qu'il a fait plus que ça. Donc, ça fait quand même 300 figurines. Bravo à toi, mon petit Garrett. C'est un beau boulot. Et par contre, là, voilà. On voit bien, les pantalons sont super clairs. Et donc, ça, c'est top parce qu'on va les voir de loin, ces figurines. Donc, elles sont très jolies. Donc, on va passer au général Manu. Alors, le général Manu, c'est pareil. Il nous a pas fait beaucoup de photos. Il a... Parce que lui... Il n'a pas été comme tout le monde, c'est-à-dire faire un régiment par régiment. Non, lui, il peint tout. Voilà, il peint tout à la chaîne. Donc là, on voit qu'il lui manque quelques petits détails sur chaque barrette. Mais il en a, là, on voit, il y en a quand même 400. Donc c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Bravo à toi aussi, Manu. Ça avance bien, ça avance bien. Donc maintenant, on a le brigadier Quentin. Donc le brigadier Quentin, lui, il a fait énormément, mais alors énormément de photos. Merci à toi. Donc, et puis là, surtout, c'est quelque chose que nous, on n'a pas fait encore. C'est il a fait des régiments différents. Donc là, par exemple, on voit les Marines. Et à côté, on a les Devil Neck, je crois, un truc comme ça. Là, on a des canons. Donc voilà, là, ça, c'est son infanterie new-yorkaise. Donc là, c'est pareil, c'est quand même super beau. Il y a de la couleur, c'est flashy. Donc lui, il a plusieurs. On voit là, lui, il a acheté le méga bundle, parce que, ou en tout cas, il a acheté des décors en plus, parce qu'il n'y a pas que le Barnes. On voit derrière les maisons qui font partie du set encore. Donc là, on a encore une petite photo des canons de plus près. Donc c'est propre. Hein, regardez, il a fait tous les petits détails et tout. Il a fait même les galons. Donc là, on est vraiment pas mal. Hein, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Bravo. Donc là, une autre photo de ces New Yorkais et de ces Marines. Donc là, on a les New Yorkais de près. Alors, franchement, très sympa, très très sympa. On voit qu'on a l'habitude de peindre la masse. Hein. Franchement, c'est très propre. Et là, il y a son général, Quentin Pendleton, je crois. Donc là, maintenant, on a le capitaine Le Laboureur qui nous a fait lui aussi une compagnie de New York. Alors là, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai bien aimé cette image parce que on voit le drapeau français sur le drapeau du régiment de New York. Donc c'est pas mal.
Bon voilà, c'était son seul régiment, mais c'est déjà pas mal. Donc on va passer au Captain Lysander, et c'est pareil, je crois que Captain Lysander, il nous a pas fait beaucoup de photos, voilà, il nous en a fait une. Il a commencé, bon ben, il faut bien commencer, c'est pas facile pour tout le monde de peindre à fond. Donc vas-y, continue de nous envoyer des photos, Lysander, on a hâte de voir la suite de tes aventures. Donc là maintenant, nous avons le général Vlad. Alors général Vlad, lui, il a une technique bien particulière, il peint sur les grappes. Alors moi, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. J'ai vite abandonné parce que du coup il fallait peindre les endroits où c'est coupé. Mais pour cette échelle-là, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée parce qu'on a vraiment très peu de retouches à faire. Donc à voir ce que ça va donner. C'est vrai que avant, moi, les trucs que j'avais sur grappe, ben, c'était du 28 mm. Il n'existait pas trop de 15 mm en grappe, à part ben, voilà, les parties Flame of War, donc tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale. Mais là, effectivement, c'est pas bête, ben, bonne idée. Donc voilà, là, il peint sur la grappe directement, il peint tout son régiment, et hop, à la fin, ben, il en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ou 13. Donc c'est quand même pas mal, hein, bravo, bravo à toi, Vlad. Donc là, on va passer à moi, hein. Il fallait bien quand même que je montre un peu ce que je savais faire. Parce que vu que c'est moi qui fais le challenge, bon, voilà, il fallait quand même que je peigne de la figurine. Alors, je vous ai fait les petites scénettes aussi, vous voyez. Donc là, on voit le Barnes que j'ai peint. Donc j'avais fait une vidéo tuto pour vous montrer comment je l'ai fait. Mon premier régiment de confédérés, excusez-moi. Donc voilà, là on voit le confédéré. Alors là, les premiers, je les ai fait que pantalon gris. Après, j'ai fait un peu de différence. Là, c'était ma première plaquette d'union. Donc là, pareil, sympa. Bon, c'est propre à peindre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, la suite de mes aventures chez les unionistes. Donc j'en ai peint les unionistes, parce que bon, il faut compter aussi celle de l'Iron Brigade. J'ai peint 5 régiments. Donc je suis à 940, je crois, ou un truc comme ça, feet peinte. Donc là, voilà, là on a, pour vous montrer, ça c'est l'Iron Brigade. Donc on a quand même quelque chose qui est assez propre, hein, les barbus. Moi j'aime bien que ça m'a fait du mal au départ de voir que c'était en métal, parce que c'est chiant à peindre, il y a plein de petits trucs qui ont été un peu déjà abîmés, écaillés, donc il faut que je les reprenne avant de les vernir. Mais ça rend bien, franchement, les gravures sont pas mal. Bon, ben voilà les barbus, on a fait le tour de cette première vidéo challenge. Donc on a vu que tous les participants n'ont pas envoyé des photos, donc ben, c'est normal, hein, tout le monde ne peut pas envoyer des photos ou peindre tout le temps. Donc j'espère que ben, ils se manifesteront plus tard, parce que c'est intéressant de voir ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, je suis très content parce qu'il y en a qui ont joué le jeu, qui ont fait plein de photos. Franchement, c'est top, les gars, bravo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de photos par participant. Donc, c'est quand même très très cool, notamment Vlad, Quentin et Cartman qui ont vraiment eu l'occasion de nous faire de belles photos. Et j'ai hâte de voir la suite de leurs aventures. Bon, ben les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous inscrire au challenge si vous avez envie, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une vidéo et que le poil soit avec vous!